Et pour ouvrir en beauté cette émission, mesdames et messieurs, nous recevons un étudiant lavallois de 16 ans. Il a déjà été vu par 140 000 spectateurs sur le site Internet YouTube en présentant l'une de ses compositions. Et c'est cette même composition qu'il nous offre aujourd'hui à 0 à 1000. Sa composition s'appelle « Breaking Apart ». Voici Yannick Thibault, alias « Amazic ». Cher Yannick, sincèrement, gros bravo. Merci. Je trouve que tu es extrêmement personnel. Ce que tu fais ressemble probablement à toi-même, mais tu sembles pas vouloir imiter qui que ce soit d'autre que toi-même. Tu as seulement 16 ans. Ouais. Tu écris depuis longtemps, depuis... J'ai commencé à écrire à 14 ans, je pense. J'ai eu au total de 18 chansons originales. Très, très beau, très belle voix. J'adore le son un peu trash de ta guitare. J'aime la guitare, moi, quand elle est trash, donc j'ai été très bien servi. Et j'ai aimé aussi la rupture dans ta chanson. J'ai aimé que tout arrête et tout recommence avec un autre climat. Très belle structure. Bravo. Merci. Bravo, Yannick. Bien, premièrement, tu as la voix, le talent et le look d'un rockstar déjà à 16 ans. Et en plus, tu écris tes chansons, donc je te félicite pour ça. Je te vois tout à fait faire partie d'un gros band, genre Simple Plan ou plus tard, vraiment, je vois ça pour toi. Tu fites complètement là-dedans. Et puis, bien, je te souhaite bonne chance pour la suite. Petit commentaire, juste peut-être de regarder un petit peu plus le public. Okay. Tu étais peut-être un peu trop dans ta bulle, mais sinon, bravo à toi. Merci. Est-ce que c'est une chanson autobiographique ou t'es-tu fait sacré là? C'est quoi? C'est-tu une chanson qui relate ta vie ou... Oui, elle parle un peu de moi. C'est plus, elle raconte une histoire. Là, ça parle de... Ça parle un peu de moi, mais ça peut parler aussi, c'est une chanson d'amour un peu. Mais... Tout ce qui me trouble un peu, Yannick, c'est honnêtement, si je l'avais écouté à la radio, j'aurais cru justement que c'est Simple Plan. Okay. Fait que je ne sais pas si... Donc, tu dis le contraire de ce que je disais. Je trouve que ça ressemble à plein de choses. C'est ça que tu veux, hein? C'est ça que tu veux exprimer. Mais c'est assez, garçons, Nelson Harvey. On n'a plus de temps. Nous avons... Merci, mon cher Yannick. J'ai l'impression que... On assiste au début d'une vraie carrière. Et maintenant, qui de nos magiciens, qui de notre interprète, de Yannick ou de Jimmy, recevra les fameux 1000 $? J'y vais tout de suite pour le 1000 $ qui est attribué à Yannick Thibault. Amazing! Bravo, Yannick! C'est un magnifique 500 $.